Alors, la formation, vous êtes plusieurs à m'avoir interrogé là-dessus aussi. Donc, rien n'empêchera les réseaux de développer leur formation. Notre intention est d'une part de faciliter le travail et l'offre d'outils de formation pour éviter aux écoles et aux réseaux de réinventer l'eau chaude. Il y a des choses qui existent déjà et qui se font très bien. Et d'autre part, notre volonté est effectivement celle de créer du lien, des échanges et du dialogue. C'est bien l'esprit avec le forum et avec les plateformes zonales. Et donc, on va voter sur l'ensemble du texte. On passe au vote électronique. Voilà. 13 votants, 13 oui. Le vote, le projet de décret climat scolaire est adopté. Je pense que c'est une avancée, Madame la Ministre, pour toutes nos écoles et pour la suite, en tout cas, des événements. C'est un moment important aussi. On en a vécu quelques-uns ici, mais celui-ci est important pour, je pense, l'ensemble des groupes politiques ici autour de la table. Je vous remercie.